À l'entrée d'Albertville, ne pas prendre la voie rapide, prendre vers le centre-ville, puis Cité des Conflans, puis Fort du Mont, puis Col des Cyclos, où on peut se garer. C'est un gentil endroit pour pique-niquer. Et de là, on va prendre direction la Roche-Pourrie. Tout de suite à gauche. Suivre le haut du pré. Vu qu'on nous y invite, on va passer par le blocos des têtes. Et voilà, on arrive au blocos des têtes. Un gros bâtiment. C'est ouvert. Mais bon, la porte pour monter en haut est fermée. Voilà, ouais, c'est propre, hein. Ça doit être nettoyé, je pense, de temps en temps. Ça peut être sympa comme abri de camping. Et on poursuit. Le sentier redescend un petit peu vers la route forestière qu'on traverse pour rejoindre le sentier du haut du pré. Jusque-là, on peut monter soit par la route forestière, soit par les petits sentiers dont certains sont jalonnés en jaune. C'est au choix. Bouh, ça fait peur! On arrive dans les alpages, c'est joli par là. On aperçoit la Roche-Pourrie. Alors là, il y a deux sentiers. Alors, il y a celui de droite qui passe dans la forêt et celui de gauche qu'on voit bien qui monte dans l'alpage là. Alors je vais prendre celui de gauche, j'aime bien voir le paysage. En dessous, ben, c'est l'alpage du haut du pré. Ça broute dur à cette heure-ci. Je sais pas si on entendra les cloches sur la vidéo. Allez, il n'y a plus qu'à monter à Roche-Pourrie. Eh ben, ça grimpe bien par le sentier des Biquettes. Me voilà au sommet. Belle vue sur Albertville d'ici. Et sur les Bauges plus loin. La Dent de Conce. La Tournette tout au bout. Le Charvin. Toute la chaîne des Aravis avec la pointe percée au bout. Je vais poursuivre en direction du Mont Mirantin. Alors je pense que c'est lui là-bas.
assez loin, mais je verrai bien. Et là-bas, c'est la pointe de la Grande Journée. Un peu plus loin, c'est le Grand Mont. Le temps n'est pas extraordinaire, hein. On verra bien ce que ça donne. Il y a le Mont Blanc là-bas, tiens, il est bien éclairé là. Superbe. Il doit y avoir un nid de frelons, il y en a partout là, il y en a des nuées complètes. Bon, il va falloir que j'aille déranger les biquettes là, parce que le sentier passe au milieu. Elles sont en forme les bibiques. Qu'est-ce qu'elle dit la biquette? Hein? Elle est sympa celle-là. Elle aime bien se faire caresser. Hein? T'es contente toi? Hein? Elles sont très sociables. Alors pour passer au milieu, bah, c'est pas facile, elles veulent pas se pousser. Mais bon, avec quelques caresses, on y arrive. Il y a un moment dans la descente où on peut quitter le sentier principal en rejoignant la crête par la droite. Alors, il y a un ou deux passages un petit peu délicats, mais ça passe quand même bien. Et on rejoint le sentier des crêtes. Alors pour ceux qui craignent les petits pas d'escalade, il faut prendre le sentier normal qui passe un peu plus bas. Voilà, moi je continue par les crêtes. J'aime beaucoup ces petites campanules bleu ciel. Elles sont très jolies. Puis là, il y en a un peu partout, c'est pas mal. On rejoint le bon sentier qui monte par là-haut. En fait, c'est un GR, c'est le GR Tour du Beaufortin. Et là, on va prendre direction Pas de l'Âne. Ça me convient très bien, le Pas de l'Âne. C'est pas très dur, ça monte pas trop, ça évite les crêtes. C'est toujours le GR qu'on continue. Et là-haut, on vient de m'indiquer qu'on aperçoit le Pas de l'Âne, où il y a une croix, voilà. Et après, il faudra continuer. Après une longue montée dans les éboulis, le voici donc, le Pas de l'Âne. C'est pas une croix, c'est un panneau, en fait. Voilà, il n'y a plus qu'à monter au Mont Mirantin, il doit être juste là-bas derrière. Il y a un chemin qui passe là. Ça fait un sacré parcours depuis la pointe là-bas. Et là, ben, on voit bien la montée du Pas de l'Âne. Et ben, il est là-bas, donc il y a encore quelques crêtes à traverser là. Le sentier de crête n'est pas très difficile, à part un passage un peu scabreux où les gens qui ont peur du rocher et du vide ne seront pas rassurés. Donc à déconseiller à ceci. Et puis ben, je vais continuer. Sous le sommet, il y a un bout de câble qui est bien ancré. Et voilà le sommet. Alors si vous montez par là, amenez un petit tournevis et puis 2-3 vis. Cela croix est un petit peu cassée. Alors là c'est le Mont Mirantin et puis derrière c'est beaucoup plus haut. C'est le Mont Blanc. Qu'est-ce qu'on aperçoit d'autre? La fameuse brèche de Parozan avec son superbe éboulis. Et puis la Pyramenta, évidemment.
Bon, le temps est pas très clair aujourd'hui. Le grand mont là-bas. La pointe de la grande journée. Bon, je sais pas ce que je vais faire, si peut-être faire essayer de faire la traversée là, si ça passe. Voilà, ben, il n'y a plus qu'à redescendre. Alors c'est un peu craignos, attention, hein. Faut pas laisser monter n'importe qui. Eh bien, j'ai trouvé plus facile au retour. Mais bon, quand même, faut pas tomber. De retour au Pas de l'Âne. Ça broute en bas. Bon, je vais essayer de voir un petit peu cette crête là. Et puis, bah, s'il faut faire demi-tour, je ferai demi-tour. Voilà. Ce sentier de crête est vraiment superbe. Alors, au bout d'un moment, il quitte la crête quand ça devient raide. Et il passe à flanc sous les falaises sommitales de la Grande Journée. Après, bah, je vais voir où ça va. J'ai rejoint l'arête qui descend vers le col des lacs. En dessous, bah, on aperçoit le fameux lac sans fond. Il y a encore pas mal de neige hein, cette année, c'est incroyable. Et là, bah, je vais remonter l'arête. Il y a pas mal de traces qui remontent vers là-haut. Donc je pense que ça passe facilement. Surtout qu'il y a un grand col là-bas. Bon, ça présente pas de grosses difficultés, hein. Mais pour ceux qui ont peur des pas d'escalade et du vide, ben faut s'abstenir. Mais sinon c'est plus facile que le mont Mirantin. Et ça rejoint le couloir qui mène au petit col que je voyais d'en bas. Voilà donc au sommet. Alors apparemment pour les audacieux, il y aurait peut-être un sentier de crête. Je vais redescendre par le col des deux pointes, je l'ai appelé comme ça puisqu'il n'a pas de nom, entre la pointe de la Grande Journée et la pointe de la Vouée, pour rejoindre le lac sans fond, puis les lacs de la Vouée, jusqu'au col des lacs, où je vais retrouver le GR Tour du Beaufortin, qui va me ramener à la voiture. Du Pas de l'Âne, on ne se rend pas très bien compte de la distance qu'il y a jusqu'au mont Mirantin. Vu d'ici, c'est plus parlant. C'est quand même pas mal. Là, ça doit être la légette du Mirantin, je pense. Me voilà déjà bien en dessous du col des deux têtes. En vue du très joli lac sans fond. En vue du grand col sur la droite, ben, il faut commencer à couper pour rejoindre les petits lacs de la Vouée qui se trouvent un peu plus haut. Donc là, je vais partir sur la droite à flanc. Attention, il y a des barres rocheuses, donc il faut bien passer au pied des barres et pas au-dessus. Et après, on doit rejoindre là-haut. Et voilà le plus grand lac, le lac Long de la Vouée. Et là, j'ai rejoint un petit sentier qui va monter. Il n'y avait plus de sentier, mais c'est monté quand même. Et j'ai croisé le GR que je vais suivre après. Et là, voilà les petits flaques, ce que j'appelle des flaques, entre flaques et lacs, de la Vouée. Me voilà au col des lacs. Un beau cairn ici. Alors d'ici, on voit mieux les lacs en bas quand même. Et maintenant, ben voilà, il n'y a plus qu'à suivre le GR jusqu'à la route là-bas.
va nous redescendre jusqu'à la voiture. Petit remplissage de poche d'eau parce que j'étais à court là, je commence à sécher. On est dans la combe des cascades, c'est joli par ici. Petit concert de clarine chez les tarines. C'est cool la vie le soir après la traite, hein. C'est chouette le calme du soir, c'est impressionnant. Là, c'est les chalets de l'eau de Tours en Savoie. Eh ben, je vais passer par là, prendre le chemin qui passe dessous. Ça fait quand même une sacrée trotte, hein, de la pointe de la Grande Journée, descendre par derrière, remonter au col des lacs, traverser toute la Combe. Jusqu'au chalet. Et il y en a encore pour une petite heure, je pense. Et la roche pourrie vue d'ici, bah, elle est vraiment pourrie. Bon, c'est normal, hein, c'est du mica schiste. Me revoilà à proximité du blocos. Mais cette fois, je vais descendre par la route, par le chemin forestier. Alors, heureusement qu'il y a tous ces chemins forestiers et chemins d'alpage. Parce que quand t'es crevé, ben, ça aide beaucoup. Albertville by night. Et voilà, retour au col des Cyclos. Il est quasi 22h, ça fait à peu près 10h30 que je randonne. En ne m'arrêtant que pour prendre des photos et pour filmer. Alors c'est une rando, c'est un très bon entraînement parce que c'est très rocailleux, c'est un peu spécial, j'aime bien. Pour ceux qui n'aiment pas, il faut se reporter à ma vidéo sur la pointe de la Grande Journée où on découvre les lacs de l'Avouée, c'est vraiment magnifique.